Je pensais pas que ce serait si bizarre de me retrouver avec vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça fait un petit temps que j'ai pas pris le temps de papoter et justement de vous retrouver avec mes favoris du mois. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment une grosse raison que je vous annoncerai en fin de cet épisode, parce que les choses ont un petit peu évolué, un petit peu changé de mon côté. Mais rassurez-vous, je suis toujours aussi ravie de me poser avec vous. Et là, aujourd'hui, j'ai trop hâte de vous présenter mes favoris du mois d'avril et du mois de mai. Alors bienvenue, vous êtes sur la chaîne YouTube Yogis Alive, une chaîne YouTube où on va aborder des sessions de yoga qui peuvent être très simples, très faciles à caser dans son quotidien, mais aussi des vidéos en lien avec la santé, toujours de façon le plus possible, en tout cas nuancée. Je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute et j'adore du coup échanger avec vous. Et sans plus attendre, j'avais envie de plonger avec vous dans mon premier favori, un vrai coup de cœur je dois dire. Ça a été une vidéo, et ça a été une vidéo YouTube que j'ai découverte sur la chaîne Easy Blush, la chaîne d'Héloïse, qui nous parle, vous l'avez peut-être vu, c'est une vidéo qui a été, qui a eu quand même assez, pas mal de succès sur justement la spiritualité et le développement personnel. Et c'est vrai que je pense, sans forcément avoir eu le même parcours qu'elle, je m'en suis rendu compte en visionnant sa vidéo, où elle a été finalement très jeune, ancrée un peu dans le New Age, et elle explique un petit peu tout. Voilà, les voyages aussi qu'elle a fait à Bali, dans des environnements qui se disent en tout cas très spirituels, très enclins avec le développement personnel, le New Age, etc. Et moi en fait ça m'a fait prendre conscience que parfois, je pense que par rapport à certaines personnes, je suis un petit peu plus dans ce domaine-là, mais je me suis rendu compte que finalement sur le spectre, bah, je l'étais pas tant que ça. Et comme elle, finalement j'ai eu un recul depuis plusieurs années. Donc elle l'explique très bien, elle explique très bien comment ça, son cheminement s'est fait, et je trouve que c'est intéressant parce qu'à la fois il y a son cheminement et son témoignage personnel, mais à la fois il y a aussi des choses qui finalement peuvent parler à tout le monde. Et moi je me rends compte que je viens pas du tout d'un milieu New Age ou quoi, j'ai une famille qui est très cartésienne, très voire trop parfois, hein. Des parents dans la science, qui étaient profs de bio et de physique chimie, donc très ancrés sur les preuves scientifiques, etc. Ce que j'adore, hein, je trouve que c'est super, super intéressant, mais ça n'explique pas tout non plus. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé, mais je me rends compte que c'est pas un exercice si facile, hein, de faire dans les épisodes yoga et science, de dire qu'en effet, ben, on peut avoir des effets qui sont prouvés par la science, mais il y a toujours des choses qu'on va pas réussir à expliquer. Et moi finalement, bah, j'ai eu un peu peut-être un cheminement inverse, c'est-à-dire que j'ai été attirée à un moment par tout ce milieu qui se dit spirituel, mais je trouve que c'est un petit peu galvaudé. En tout cas, je sais pas si on devrait vraiment appeler ces milieux-là spirituels, notamment quand j'ai commencé à faire ma formation de yoga, et aussi quand j'ai commencé à travailler. Et quand le premier centre dans lequel j'étais travaillée était, je trouve, vraiment cette mouvance très dans le développement personnel, très dans le New Age, hein, comme on pourrait dire, très spirituel. Et en fait, il y avait des fois où ça me faisait du bien, parce que je me rendais compte que moi, de mon milieu, de là d'où je venais, bah, j'avais peut-être besoin d'un peu plus de cette légèreté, j'ai envie de dire, de cette magie. Il y a une sorte un petit peu magique, hein, dans le développement personnel. Je pense qu'on a un petit peu besoin de magie dans notre vie. Donc j'avais un peu besoin de ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais à la fois, je me suis rendu compte que ça répondait pas à tout. Et je me souviens d'ailleurs, une des premières vidéos, je pense, que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, c'était la face sombre de la spiritualité, parce que j'avais l'impression de tomber de 10 étages, et qui pour moi, finalement, il y avait des personnes qui étaient censées promouvoir certaines valeurs qui justement se disaient très spirituelles, et en fait dans la réalité des faits c'était pas du tout les valeurs auxquelles je m'attendais qui étaient promues, et même parfois on était un peu à l'inverse de ce qui était censé être de la bienveillance ou du respect. Tout simplement du respect, notamment dans des contrats, de travail. Moi ça a été un milieu, et ça je pense que je vous en ai quand même un petit peu parlé, mais je sais pas en fait si je vous en ai tant parlé que ça, pas par
par envie de pas être transparente du tout, hein, mais par rapport au fait que c'est parfois un peu délicat, parce que, on sait pas, finalement jusqu'où on peut dire certaines choses, mais moi je sais que j'ai eu des moments un petit peu surprenants, on va dire, dans le milieu du travail, hein, en tant que prof de yoga salariée ou indépendante, j'ai eu face à moi des personnes qui étaient vraiment de mauvaise foi et qui pensaient que ne pas être rémunérée, bah, c'était une bonne chose. Et en fait, bah, tout travail mérite salaire, peu importe ce qu'on fait, en fait. Qu'on enseigne le yoga, qu'on fasse du pain ou qu'on soit ergothérapeute. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait une facilité à arnaquer parfois tout simplement les gens, et c'est vraiment ce qu'on voit, hein, dans les dérives du développement personnel, et j'emploie le terme arnaque, parce qu'il y a des pratiques qui sont promues, qui sont vantées, qui sont de véritables arnaques. Et je trouve que la vidéo d'Héloïse était très intéressante sur ce point-là, notamment pour les personnes qui sont peut-être parfois, pas engluées, mais vraiment empêtrées dans ce milieu, et qui ont peut-être besoin d'avoir un petit peu un regard un petit peu distancié, parce que c'est très facile de se plonger dans ce milieu, surtout dans les périodes où on va pas très bien, où on va un peu moins bien. Et pour autant, et j'aimais bien cette nuance qu'elle avait dans sa vidéo, et pour autant, je pense que c'est important aussi de voir tout ce qu'il peut y avoir de bon à prendre dans le développement personnel. Parce qu'il y a des... Moi j'ai lu des super livres dans le développement personnel, qui m'ont permis de m'ouvrir beaucoup l'esprit, qui m'ont permis aussi de me dire, ben en fait, j'avais pas envisagé les choses sous cet angle. Même dans le New Age, le dernier livre hyper New Age que j'ai lu et dont je pense je vous ai parlé, c'est The Surrender Experiment, où finalement, ça m'a permis de prendre conscience que, eh ben, parfois, c'est important de faire confiance à la vie, en quelque sorte. Et c'est hyper bateau dit comme ça, mais je pense que parfois, en fait, on n'a pas d'autre choix que de lâcher prise. Et moi, dans mon histoire personnelle, il y a beaucoup de choses qui ont changé à partir du moment où finalement j'ai quitté le milieu uniquement yoga, naturo, dans lequel j'évoluais depuis plusieurs années, pour retourner dans un milieu ultra cadré, ultra scientifique, en reprenant des études dans le paramédical, dans le travail à l'hôpital, où là, clairement, il n'y a pas la place pour tout ça, disons-le clairement. Et en fait, je me rends compte que parfois, s'il y avait peut-être un petit peu plus la place pour ça, ça pourrait permettre d'avoir parfois plus de souplesse et plus de soupape. Et c'est très compliqué, je trouve, comme question, parce que finalement, il n'y a pas une voie qui est juste, en fait, on serait plutôt dans une espèce d'équilibre, une espèce de mélange entre les deux, pour essayer d'avoir de la souplesse là où il y a de la rigidité, et d'un cadre là où il y a trop de souplesse. C'est une réflexion, en tout cas, moi c'est comme ça que ma réflexion a évolué, aussi sur la naturopathie, et c'est vrai que j'aimerais bien prendre le temps de me poser avec vous pour vous expliquer ce qui a changé, en fait, entre le moment où j'ai fait mes études, le moment où j'ai arrêter mes études, une fois que j'ai eu mon diplôme, le moment où j'ai commencé à essayer d'exercer en naturopathie, le moment où je me suis dit je ne peux pas continuer à faire ça, et aujourd'hui, où au final je me dis, en fait c'était peut-être pas aussi blanc et noir que ce que j'imaginais, parce que finalement, et elle l'explique très bien, très très bien dans sa vidéo, en fait nos pensées, nos émotions, nos opinions changent et évoluent. Et on ne peut pas rester la même personne qu'il y a 10 ans. C'est impossible. On a eu d'autres expériences, on a vécu d'autres choses, on a rencontré plein d'autres personnes. Et donc on ne peut pas être les mêmes personnes. Et je pense que ça, c'est hyper important à avoir en tête, de se dire que on évolue. Et c'est ok parfois de changer d'opinion, et c'est ok parfois d'avoir des opinions plus nuancées. Je pense qu'on est dans une société où on a besoin d'avoir des avis très tranchés, très vite, sauf que souvent, les situations sur lesquelles on a des opinions sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Et donc prendre un temps de réflexion et de dire finalement dans un premier temps, je sais pas, ou en fait j'ai pas toutes les clés en main pour pouvoir répondre de façon pertinente et complète à ça, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à la voir. Si vous avez envie qu'on échange sur ces sujets, avec plaisir en tout cas, je vous la conseille à 100%. Mon second favori va être des romans,
Parce que il est vrai que j'ai... Je suis arrivée un peu à une saturation. C'est-à-dire que ces derniers mois, et même j'ai envie de dire ces dernières années, je crois que je lisais quasiment plus de romans. Alors je vous partageais toujours des livres que je trouve encore super intéressants, qui m'ont beaucoup appris. Mais c'est des livres qui souvent sont assez denses, auxquels il faut être concentré quoi, pour les lire. Et là, je pense que j'ai eu un ras-le-bol. Je pense que au niveau du travail, donc de l'ergothérapie à l'hôpital, c'était vraiment très très dense, très intense. Là, j'ai traversé plusieurs mois ultra 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 difficiles en termes de charge de travail. Et c'est vrai que me replonger dans un bouquin où je dois réfléchir, où je m'évade pas du tout. Mais en fait, là, je suis arrivée à saturation et j'y arrivais plus. Et pour autant, j'adore lire et ça me fait beaucoup de bien. Et donc, je me suis dit, bah, quoi faire? Et donc, j'ai commencé à me dire, bah, voilà, allez, on va farfouiller dans les livres, on va farfouiller dans les rayons des librairies pour essayer de voilà, me reconnecter petit à petit à la lecture, mais à une lecture un peu plus en mode plaisir. Je sais pas si ça vous le fait aussi, parfois des périodes où finalement, on va être vraiment dans des livres qui nous apprennent beaucoup, qui nous nourrissent hein, beaucoup, mais où on a aussi besoin d'avoir une petite soupape où finalement la lecture peut aussi être juste un divertissement en quelque sorte. Mais un divertissement qui je trouve apporte quand même beaucoup. Et donc j'ai découvert trois livres. Donc le premier livre c'est Tant que le café est encore chaud, et donc ça c'est un livre que je vous recommande dans le tout nouveau programme de yoga du mois de juin sur la gratitude. Et je vous en dis pas plus parce que ce sera vraiment réservé aux abonnés de l'espace. Si vous voulez nous rejoindre, vous savez que vous le pouvez. Sur les Yogi Disa, maintenant vous avez plus d'un an et demi de pratique de yoga. Vous avez chaque mois une thématique et des pratiques de yoga inédites pour vous accompagner au mieux durant le mois. À la fois des pratiques posturales, de la méditation, mais aussi du pranayama, pour finalement faire de votre pratique de yoga une pratique qui s'inscrit dans le temps et qui s'inscrit aussi dans votre emploi du temps. Donc ce livre-là, c'est une pépite. J'ai lu aussi le roman La Tresse, qui se lit hyper vite. Hyper vite, dont j'avais beaucoup entendu parler, mais qui date un petit peu déjà. Et vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, il vous transporte littéralement. Il m'a fait aussi beaucoup réfléchir. C'est l'histoire de trois femmes dans trois périodes différentes, dans trois pays différents. Et outre le fait que ça fait beaucoup réfléchir sur la condition de la femme, ça fait aussi beaucoup réfléchir sur nos priorités. Et aussi à quel point nos priorités peuvent évoluer et peuvent changer suivant le pays dans lequel on se trouve, suivant notre métier, suivant notre histoire familiale, suivant notre culture, suivant notre religion. Donc c'est un très 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 joli roman, très émouvant. J'ai eu la petite larme, mais vraiment passionnant. Et un autre livre un peu moins feel good mais hyper intéressant, c'est La Sage-Femme d'Auschwitz. Et je me souviens très bien, j'ai dit à mon compagnon, ah ben voilà, je me suis acheté des livres parce que là j'ai envie de trucs qui me font du bien, qui me font penser à autre chose que le boulot. Et donc là je lui explique, enfin je lui montre les romans et puis il arrive à celui-ci et il me dit, mais attends, mais tu me dis que tu veux lire pour te sentir mieux et tu lis ça, enfin ça a l'air super glauque. Donc c'est vrai que c'est une lecture très dure. Là on pleure, mais on pleure pas d'émotion, on pleure vraiment de tristesse. Mais c'est un livre nécessaire parce que moi c'est un truc auquel j'avais jamais réfléchi. Comment les femmes enceintes pouvaient faire, en fait qu'est-ce qui se passait quand elles arrivaient dans les camps de concentration. Donc on découvre plein de choses, c'est tiré d'une histoire vraie, et donc la sage-femme a vraiment existé. J'ai fait des petites recherches après, et elle a vraiment existé, et c'est assez beau. Là encore, hein, on est sur des histoires de femmes fortes, mais au-delà de ça, on est sur toute une réflexion hein, sur la place de la maternité dans des temps extrêmement durs. On est sur la place de son métier, par exemple le métier de sage-femme, qu'est-ce que ça implique
au final, même dans des temps extrêmement durs, jusqu'à quel point on est capable de se sacrifier pour certaines valeurs, pour certains idéaux, pour certaines idéologies. Donc, un très joli roman, un roman nécessaire, j'ai envie de dire. Et typiquement, c'est un roman que j'aurais bien aimé lire à l'école, parce que même s'il est très dur, je trouve qu'il est quand même poignant et surtout il fait prendre conscience de beaucoup beaucoup de choses. C'est un bouquin où j'ai eu du mal à le laisser, à le poser pour dormir. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien d'avoir de nouveau cette addiction à un roman. Donc si jamais un des sujets peut vous intéresser, en tout cas, allez un petit peu visiter, observer ces romans et n'hésitez pas à partager vous vos derniers romans coup de cœur. On reste un petit peu dans les livres pour ce troisième favori. Là, on va parler de livres de cuisine. Donc, j'en ai deux à vous proposer. Donc, le livre de Jessie Inchopsey, La Glucose Goddess, mais sur la méthode où elle partage plein de recettes. Et le livre Zéro Sucre et IG Bas de Bérangère Philippon, qui a le compte Instagram Zéro Sucre et IG Bas du même nom. Donc là, on est sur 100 recettes. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ces livres ? Tout ce qui est alimentation santé, etc. Bon, de par, on va dire, la naturopathie, j'ai toujours été assez sensibilisée à ça. Après, c'est vrai que depuis mes études de naturopathie, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans mon alimentation. Et c'est vrai que j'ai toujours été plutôt bec sucré. Sauf que j'ai certaines caractéristiques qui font que c'est pas forcément très bon pour moi d'être trop bec sucré. Par exemple, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques qui peut parfois être lié à une certaine résistance à l'insuline. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une glycémie à jeun assez élevée, mais qui n'était jamais en dehors des normes, mais toujours assez élevée, donc ça m'avait toujours un petit peu alertée. Et j'avais jamais trop franchi le pas. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi juste après j'ai franchi le pas et les deux pieds cette fois-ci. Donc c'est vrai que quand on parle de IG bas ou de zéro sucre, tout de suite, je pense que ça peut effrayer. Je pense vraiment que ça effraie même plus que quand on dit qu'on est vegan ou végétarien ou que sais-je. Je trouve vraiment que pour avoir eu différentes phases, en fait c'est parfois assez effrayant parce qu'on a l'impression qu'on arrive dans quelque chose d'hyper drastique et hyper draconien. Alors que pas du tout. Les recettes sont hyper gourmandes. D'ailleurs, j'avais partagé à certaines d'entre vous sur Instagram les recettes des aubergines à la parmigiane qui sont juste délicieuses du livre de Bérangère Philippon. Et hyper gourmandes aussi. C'est juste une façon de repenser un petit peu son assiette. C'est une façon aussi de manger beaucoup plus de légumes. Dans les deux cas, en fait, dans les deux bouquins, en fait, il y a vraiment insisté là-dessus. Une façon de repenser son petit déjeuner, partir sur des petits déjeuners qui peuvent être plus salés, plus protéinés. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de m'étaler sur le sujet parce que les rares fois où j'en ai parlé, j'ai été très surprise des réactions. Mais je vous le dis quand même, par transparence, je ne suis plus ni végane ni végétarienne comme j'ai pu l'être. Je le vis très bien, j'ai eu une phase de transition qui a été compliquée. Je pense que tout le monde passe dans cette phase de transition un peu compliquée quand on change d'alimentation, souvent aussi par idéologie. Mais aujourd'hui, je me sens apaisée avec ma décision. Mais c'est vrai que par rapport aux glucides, par rapport à l'index glycémique, j'avais vraiment cette envie d'essayer de, entre guillemets, mieux faire, mais pas mieux faire dans un sens d'avoir une alimentation parfaite ou quoi que ce soit, mais vraiment essayer d'avoir une alimentation un peu plus adaptée à ma santé et à mes spécificités. Et ça, c'est quelque chose que j'avais bien compris et qui m'avait beaucoup plu en naturopathie, cette idée de finalement pas forcément chercher une alimentation hyper restrictive, hyper stricte, mais suivant son tempérament, suivant comment on est aussi, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes problématiques, trouver l'alimentation qui nous correspond. Et c'est quelque chose que je peux voir par exemple à l'hôpital avec les diététiciennes avec qui je travaille. C'est clair que suivant les personnes, donc que ce soit par rapport pour des raisons parfois qui peuvent être religieuses, culturelles,
et des raisons médicales vont devoir trouver l'alimentation qui est adaptée à la personne. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans l'alimentation. C'est pas du tout parce que je mange comme ça qu'il faut que tout le monde mange comme ça, bien au contraire. Mais je trouve, en tout cas, si jamais vous êtes dans une envie, un petit peu comme moi j'étais, d'essayer d'avoir une glycémie où il y a moins de pics sur la journée, ou alors vous vous dites j'ai envie de manger plus de légumes, tout simplement, ce type de recettes sont hyper faciles, et j'insiste bien sur les recettes, puisque c'est pas du tout un... Pour moi, je le vis pas du tout comme un régime, je le vis plutôt comme, j'agrandis mon éventail de recettes, et en plus c'est trop bien quand on arrive un petit peu à l'été, parce qu'on a quand même beaucoup plus de choix dans les fruits et légumes, donc on peut faire des choses vraiment très sympas. Et le livre de Jessie Inchopsey, j'ai aussi acheté son petit livre où elle explique pourquoi elle a fait ça, la problématique actuellement du glucose. Alors je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, je pense qu'il y a aussi des choses à nuancer un petit peu, il y a aussi beaucoup de choses à, si on est dans une problématique, à discuter avec son professionnel de santé, parce que voilà. Encore une fois, je pense que l'alimentation, c'est à la fois très simple et très complexe. Et c'est pour ça que je préfère insister sur le côté recette, recette plaisir. Et là où ça m'a vraiment débloqué, c'est sur les idées de petit déjeuner salé. Parce qu'en fait, c'est vrai que parfois on tourne un petit peu en rond. Et en fait, là, j'ai tout un éventail de recettes qui s'offrent à moi, qui sont juste super bonnes. Alors, j'ai pas forcément le temps de les faire tous les jours, surtout les jours où je travaille, c'est pas possible. Mais c'est vrai que les jours où je travaille pas à l'hôpital, les jours où je travaille pour le yoga de chez moi, si je prends le petit déjeuner le matin, je me fais quand même plaisir avec des recettes salées, mais super gourmandes. Et qui sont bonnes pour moi, donc c'est vraiment super chouette. Enfin, bravo si vous avez tenu jusque là, ou peut-être que vous avez avancé en avance rapide pour la grande nouvelle. Donc vous avez peut-être perçu sur Instagram que je vous disais que j'étais très fatiguée. Et c'est vrai que j'ai été très fatiguée ces derniers temps. Il y a eu plusieurs choses, il y a eu déjà le fait que je travaille à l'hôpital, m'a pris ces derniers mois, en tout cas beaucoup d'énergie, tant physique, vraiment physiquement, je rentrais le soir, j'étais crevée parce que j'avais couru toute la journée. Je sais que il y a certaines douches thérapeutiques qu'on fait en fin de journée, quand je travaille en respi, où vraiment, je sortais de là, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon, j'étais en nage. Donc c'est vrai que ça a été assez intense, et c'est vrai aussi qu'au niveau moral, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps, qui n'ont pas toujours été très simples à gérer. Là maintenant ça va beaucoup mieux, donc c'est chouette. Mais du coup voilà, il y a eu une fatigue qui a fait que j'ai eu pu, et je le regrette, moins m'investir. En fait, c'est pas que j'ai pu moins m'investir, c'est que j'ai dû faire des choix. Et donc pour moi, mon choix, le premier, ça a été de préserver au maximum ma plateforme, mon studio en ligne, les Yogi Disa, parce que c'est finalement là où je mets le plus d'investissement. En fait, c'est un projet que j'ai depuis tellement longtemps, d'arriver à créer mon espace où je peux faire mes séances progressives avec ma thématique. Voilà. Juste pour moi et pour vous et pour les élèves, et ça c'est trop bien. Et quand j'ai des retours comme j'ai eu ces derniers temps, des idées de thématiques qui viennent de vous, qui viennent des élèves, en fait ça m'a fait vraiment un déclic énorme, et ça m'a vraiment permis de me donner l'envie de m'investir davantage. YouTube, j'adore cette plateforme. Le podcast, j'adore le format podcast. C'est vrai que c'est deux formats qui prennent du temps, et c'est deux formats qui nécessitent quand même d'être assez posés. Et en fait là, ces derniers temps, j'y arrivais vraiment pas. Et Instagram, alors là, ça a été... Alors j'ai réussi à être active en story, mais c'est vrai que ça me déprime. En fait, je trouve que je passe beaucoup de temps quand je crée du contenu sur Instagram. Sauf qu'en fait, c'est du contenu qui est tellement éphémère que ça me rend triste. Parfois, vous pouvez pas imaginer. D'ailleurs, je me dis, mais c'est hyper dommage. Je pense que la plupart du temps, les gens ne lisent même pas, ne prennent pas forcément le temps. Et bien sûr, alors je vous remercie parce que je sais que j'ai vraiment beaucoup de chance. Vous échangez beaucoup avec moi et c'est vraiment super chouette, et j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu moins facile de m'investir. Et surtout, d'autant plus pour la dernière raison qui explique tout ça, c'est que mon compagnon et moi attendons un heureux événement. Donc nous partons à La Réunion en septembre, et je vais pondre à La Réunion en novembre. Donc,
Donc voilà, nous attendons un petit bébé. Là, c'est, les 3 mois sont passés. Je suis dans mon 4e mois pour vous permettre de situer un petit peu. Je ne pensais pas que ce premier trimestre allait autant agir comme un rouleau compresseur sur moi. Surtout le fait de garder ça secret. À la fin, voilà, ça a été un choix bien sûr, mais à la fois c'est compliqué, à la fois c'est terrible et à la fois c'est important aussi. Enfin, voilà, il y a tout ça qui se mélange. Donc nous sommes bien sûr extrêmement heureux et qui accompagne cette merveilleuse nouvelle. Et ce que vous allez comprendre en fait par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, c'est que voilà, il s'avère que, de par ce dont je vous ai déjà parlé, en fait, j'ai une glycémie à jeun qui, pour une femme enceinte, est un peu trop élevée. Pas de beaucoup, mais un peu trop élevée. Donc en fait, j'ai désormais un suivi de la glycémie. Je n'ai pas de traitement. Il se peut que je n'ai pas de traitement. J'arrive pour l'instant à gérer avec l'alimentation. J'ai été super bien accompagnée, que ce soit par ma sage-femme ou là par l'équipe que j'ai rencontrée à l'hôpital, où on a pu voir une endocrinologue, une diététicienne et une infirmière. J'ai été très reconnaissante aussi de voir une diététicienne qui m'a accompagnée sans jugement. Au-delà du non-jugement, elle s'est vraiment basée par rapport à ce que je savais, ce que j'avais déjà mis en place. On a travaillé ensemble et j'ai trouvé que c'était génial. Et au final, je n'avais pas énormément de choses à changer. Mais pour autant, l'avoir rencontrée, être aiguillée, être accompagnée, être rassurée, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur cette fille. Bah, ça m'a été super, super profitable. Donc j'étais très contente. Mais du coup, ça a nécessité quand même une réorganisation, on va dire, au niveau alimentation. Même si c'est pas beaucoup, parfois c'est ces petits détails qui changent quand même pas mal de choses. Je vais pas m'étaler davantage parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas intéressées par ce sujet, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce sujet ou qui traversent actuellement la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi finalement j'ai regardé quelques vidéos, pas énormément, mais certaines. Et en fait ça a été une mine d'informations pour moi, parce qu'il y avait plein de choses où j'étais un peu paumée. Et ça m'a beaucoup beaucoup aidée, ça m'a beaucoup réconfortée aussi. Et voilà, il y a toujours des petites astuces à prendre. Donc voilà, vous savez, au niveau yoga, ça ne changera quasiment rien, dans la mesure où j'ai réussi à boucler les tournages jusqu'au mois de décembre. Donc ça a été aussi, ça a contribué un petit peu à la fatigue et au fait que j'avais beaucoup moins de temps pour le reste. Mais c'était nécessaire pour moi de le faire, mais tant que j'avais encore d'énergie. Je commençais à avoir un tout petit ventre, mais il me gêne pas du tout pour l'instant. Donc j'arrivais à faire encore pas mal de choses. Ça me faisait d'ailleurs énormément de bien. Et il y a plein de fois où je vous dis dans les pratiques, mais j'espère que cette pratique vous a fait autant de bien qu'à moi, parce que j'en avais vraiment besoin et ça m'a fait un bien fou. Et voilà, et c'est marrant parce qu'on va être à plusieurs du coup. Il y aura les chats du voisin, il y aura le petit bébé, il y aura moi et il y aura vous sur ces pratiques. Donc ça va être des pratiques qui vont être très très... Donc voilà, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos pour un retour. N'hésitez pas à me partager un petit peu, vos dernières nouvelles, parce que ça fait longtemps. Et là, je suis de nouveau disponible, de nouveau disposée pour qu'on puisse échanger. Et j'ai trop hâte de tout ça. Et puis, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si ce type de contenu vous a plu. De laisser un petit mot, un petit pouce, une petite étoile, une petite note. Tout ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses pour que ce travail ne soit pas qu'éphémère. Alors, d'avance, un grand merci et je vous dis à très vite.